le 29 janvier 1939. Une délégation du comité central du Parti communiste français quittait Marseille pour l'Algérie. La délégation, conduite par Maurice Thorez, secrétaire général du parti, comprenait les camarades Henri Lozeray, député vice-président de la commission des colonies, Henri Pourtalet, député de Cannes, Élie Mignot, secrétaire du Parti communiste d'Algérie, Jeannette Vermet, secrétaire de l'Union des jeunes filles de France, et Laurent Casanova. Le bateau qui emportait la délégation toucha terre à Oran. Sur le quai, Kadour Belkaïm, secrétaire du Parti communiste d'Algérie, et Nicolas Zanettaxi, conseiller général, secrétaire de la région oranaise du parti, attendaient au milieu d'une foule de travailleurs Maurice Thorez et ses compagnons de voyage. La délégation s'était rendue en Algérie, non seulement pour une tournée de propagande, mais aussi pour enquêter sur la situation de l'Algérie, étudier les revendications de ses populations, voir en un mot l'Algérie qui travaille et qui peine, mais qui espère encore dans la France démocratique. En plus des grandes réunions publiques, réceptions, entretiens avec les personnalités arabes ou françaises les plus qualifiées, la délégation s'attacha tout particulièrement à visiter les quartiers arabes les plus misérables, villages nègres ou bidonvilles, comme on les appelle en Algérie. Les pouvoirs publics s'ingénièrent à gêner le travail de la délégation. En vain, car partout les manifestations publiques, interdites par les arrêtés préfectoraux, se transformèrent en manifestations privées, groupant des milliers de personnes. 4000 auditeurs au meeting d'Oran. Ces délégations étaient venues de très loin, notamment de Colombéchard et de Casablanca. Après le meeting, le citoyen Ozas, président du conseil d'administration d'Oran Républicain, et président du parti Camille Pelletan, reçut Maurice Thorez au journal. Maurice Thorez avec le cheikh Zahiri. D'Oran, la délégation se rendit à Perego. En chemin, elle s'arrête à Sidi Belabé, où 500 travailleurs réunis en quelques heures fêtent Maurice Thorez. Monsieur Lisbonne, président de la Fédération radicale socialiste de l'Oranie, était présent. À Perego, la délégation est reçue par la municipalité de Front Populaire, où se trouvent réunis communistes, socialistes, radicaux et élus arabes. Les travailleurs arabes du village nègre font une réception chaleureuse à Maurice Thorez. Au cours de sa visite, l'un d'eux tint à l'accueillir dans sa pauvre demeure, où il lui offrait le café. Le soir, la réunion privée rassemble dans l'enthousiasme 3000 personnes. L'auditoire suit avec attention l'exposé des revendications faites par les orateurs. Constantine fut l'étape suivante. C'est une ville pittoresque, tout entière construite sur un rocher, cancer de tous côtés les gorges profondes du Rumel. Dans cette ville, le 5 août 1934, les excitateurs antisémites avaient réussi à susciter des pogroms sanglants. Depuis, grâce au Front Populaire et à notre parti, arabes et juifs luttent côte à côte avec les Français pour la démocratie et la tolérance religieuse. Malgré l'interdiction signifiée le jour même, 2000 auditeurs se pressaient à la réunion privée du soir. Cette réunion fut un émouvant témoignage de cette unité retrouvée dans la fraternité des races. Après Constantine, ce fut Soukara et Tebessa.
toute cette région jusqu'à Tengat et Lambèze est remplie de ruines romaines. Ces vestiges émouvants attestent de la grandeur des civilisations qui, il y a plus de 20 siècles, s'épanouissaient là. Voici les ruines de Mador, où la légende dit que saint Augustin, berbère d'origine, étudia avant de devenir le grand évêque d'Hippone. À Tebessa, les ruines sont aussi imposantes, qu'il s'agisse de la basilique, du temple de Minerve ou de la porte de Caracalla. À Soupas, le banquet offert par la section communiste. Dans la petite ville de Tebessa, l'unité réalisée entre élus indigènes et élus du Front populaire a permis d'imposer au maire réactionnaire notre ami Vessière comme premier adjoint communiste. Cette petite cité est un vieux centre de culture musulmane. Et Maurice Thorez s'intéressa d'une façon particulière à l'école arabe que dirige le cheikh El Tepsi. À Beaune, Maurice Thorez et ses amis furent reçus à la gare par une importante délégation de la section communiste conduite par leur actif secrétaire Gabriel Palomba. Le soir, la réunion privée rassemblait 8000 personnes. Quelques vues du meeting, n'est-ce pas là le symbole vivant de cette nation algérienne en voie de formation qu'a évoqué Maurice Thorez? Ensuite, une promenade à Bou Saada, la porte du désert, dans le sud algérien. Dans le paysage aride, l'oasis surgit verte et fraîche, pleine du bruit de l'Ouade et des sources qui coulent. Le grand désert saharien. La délégation arrive au terme de son voyage. Maurice Thorez a reçu, entre autres, la visite du cheikh Tayeb El Okbi, du professeur Dalloni, président de l'Union socialiste et républicaine, et du citoyen Lombardi, président de la Fédération du Parti radical socialiste. Le soir, le meeting présidé par Marcel Planès, secrétaire régional, rassembla 15 000 auditeurs enthousiastes. Le meeting fut l'image fidèle de cette Algérie populaire, unie en tous ses fils, qui devant la menace du fascisme, aspire plus que jamais à une entente plus étroite avec la France démocratique. Le lendemain, ce fut le départ. Thank you.
dernier aspect de l'Algérie pittoresque. La terre d'Algérie s'éloigne. Demain, ce sera Marseille. Le secrétaire de la cellule communiste du bord a tenu à venir saluer Maurice Thorez. Et voilà Marseille. Sur les quais, les délégations attendent le secrétaire général du Parti communiste et ses camarades. À leur tête, Christophol, député de Marseille, Nedlec, secrétaire de l'Union départementale des syndicats et secrétaire régional du Parti.